Un cimetière de la nature, particulièrement lugubre, est posé au beau milieu de nulle part. La végétation alentour est mourante, de même que les rares animaux à être restés dans les parages. À son centre, une crypte en roche noire se dresse, entourée de fumées menaçantes, vers lequel s'approche Veblen, escorté par deux forignons et un ombrédi. Maître Veblen, n'oubliez pas ce qui a été convenu. Ça, c'est parfaitement ce que je dois faire, bêle-t-il hautain en réaction à ces instructions données par le monstre qu'il trouve déplacé. Il passe alors ce qu'on pourrait appeler l'entrée de fumée. L'air vicié, visiblement, au vu de ces vapeurs jaunâtres qui s'en dégagent, force l'archer à s'appliquer un onguent spécial sur le visage, un geste auquel il semble habitué. Je ne supporte pas cet endroit. C'est pourtant là que Baki t'a installé à tes débuts. Veblen se tourne vers la voix rauque qui l'interpelle et aperçoit une silhouette dos au mur de la crypte qui se tient au centre du cimetière. Son visage ne se distingue pas à cause de l'ombre des parois cachant partiellement les rayons du soleil couchant. Veblen a un rictus à sa vision. « Déjà ici, toujours aussi impatient à ce que je vois, réalise-t-il. Je devais déjà garder la tour à la place de Pavel. Je n'aime pas qu'on me vole mes proies. » Tu comptes t'occuper de moi parce que tu ne peux plus t'occuper de lui ? Ironise Veblen. N'oublie pas ce qui est prévu, avertit-il en s'éloignant. Je n'oublie rien, Xenakis, dit-il, seul, plus sérieux. Flashback. Le jeune adolescent blanc, au look très huppé, se dirigeait vers l'école d'armes de sa ville, livre d'études à la main. Plus précisément, le bâtiment le plus propre et chic qui se remarquait bien. 100 mètres à côté de celui moins bien entretenu, d'où des élèves bien plus modestes sortaient. Parmi eux, deux loupards de son âge s'éloignaient de la masse pour s'approcher de lui. Edward, c'est pas le gosse d'Aristo qui va faire son cours pour les arcs en supplément ? Raya le premier. T'as raison, Trocassi se sent tellement supérieur aux autres qu'il croit pouvoir en faire deux fois plus qu'eux. Répondit le second du même ton. Le garçon feignait de les ignorer en continuant de marcher, gardant le regard posé sur son livre, mais Drocas se mit de force devant lui et lui prit des mains. « Et il doit même avoir des livres bien détaillés pour mieux suivre les cours » continua-t-il de se moquer en feuilletant vulgairement l'objet. « Rendez-moi !» finit par parler le garçon, hautain et un peu agacé. « Attention, le premier de la classe me menace !» siffla-t-il de plus belle, lui agitant sous le nez le livre qu'il voulait reprendre. Insistant, le blond remit vivement la main dessus, luttant avec Drocas pour lui tirer. La brute finit par le pousser du plat de la main pour l'irriter davantage. En gardant possession de son bien, puis le garçon, pris d'impatience, sortit alors le glaive reluisant qu'il avait à sa ceinture et l'enfonça dans la côte de l'enfant qui lui faisait face. Il eut à peine le temps d'être surpris qu'il tomba à terre suite à cette blessure. « Drocas !» s'écria Boart, épouvanté, en se penchant sur son ami. Le garçon, contenu, récupéra son livre par terre, essuya sa lame avec un mouchoir et repartit, tournant dédaigneux le dos à la scène. Océane est en train de faire divers mouvements de bras et jambes pour son agilité, sous l'œil observateur de l'Orniel. « Je peux savoir pourquoi je dois m'entraîner physiquement pour mieux faire de la magie ?»« Sais-tu pourquoi il y a un cristal sur ton sceptre ?» réplique le sorcier. « Eh bien, c'est ce qui me sert à invoquer. » répond-elle penaud, un peu surprise par cette question à sa question. « Faux ! Le bois seul du bâton est nécessaire aux invocations. Ce cristal sert de bloqueur. Il t'empêche d'invoquer les esprits que tu ne seras pas en mesure de contrôler. » « Tu veux dire que je peux invoquer n'importe quel esprit, mais que le cristal m'en empêche ?» Exact. Il jauge la puissance de ton aura, détermine quels esprits accepteront d'être sous ton contrôle et empêche les autres d'apparaître. Si je me débarrasse du cristal, je pourrais invoquer n'importe qui. Ne le fais sous aucun prétexte! Cela entraînerait un conflit entre ta conscience et celle de l'esprit qui, s'il gagne, n'en fera qu'à sa tête. C'est pour cette raison que les sages ont créé ces cristaux il y a 20 000 ans, coupe-t-il son exaltation autoritaire. D'accord, tu en sais des choses alors que tu ne fais que de la magie noire. C'est justement parce que la magie que je fais n'était pas aussi bien vue que les autres grandes magies que j'ai voulu en savoir plus sur elles. La magie sacrée, les invocations. Et au fil de mes recherches, je n'ai pas trouvé de différence d'aptitude, juste quelques mots à scander comme différence. C'est pourquoi j'ai voulu devenir le plus puissant, pour prouver que la magie dont je dispose mérite autant d'éloges. Lâche l'orniel, à deux doigts d'être passionné. Mais il se contient tout juste après pour revenir sur son air sérieux et posé. Après un petit silence, Océane regarde le sorcier d'un sourire attendri et légèrement moqueur. Gêné, il se raffermit davantage, poussant l'invocatrice à se reconcentrer. Sinon, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer la puissance de mon aura ?
De nombreux critères entrent en compte, mais les plus importants sont la sagesse, l'intelligence et l'état physique. C'est ce troisième critère qu'il me semble le plus simple d'améliorer chez toi. Merci. Et comme tu sembles avoir le plus d'affinité avec les invocations liées à l'élément eau, c'est par là qu'on va se concentrer. Je sens que mon aura va gonfler en même temps que mes raideurs. Soupire-t-elle. Ils n'ont même pas remarqué qu'à une certaine distance, sur une colline, Rocal les observe depuis quelque temps. Frustré, il ne les lâche pas des yeux, ne voyant pas Gaëla qui s'approche de lui. C'est dur de se faire remplacer. Le fait-elle sursauter avant de s'asseoir à les observer à son tour. « Qu'est-ce que vous en savez? C'est si intéressant » finit-il par répliquer. D'habitude, c'est Semnia qui joue la partie du groupe, mais d'après ce que m'a dit Nova, elle se couche toujours avant 22h. Réplique-t-elle d'un ton léger. Quand son père est parti, elle passait tout son temps libre avec moi, et quand elle a décidé de faire de la magie, j'étais constamment auprès d'elle. Depuis que nous vous avons suivi, elle passe plus de temps à parler aux autres qu'à moi, et maintenant qu'elle a un nouvel enseignant, on ne se parle presque plus. Le vieux fait sa crise de jalousie? Plaisante Gaëla, pour étendre l'ambiance. « Je n'ai que 41 ans !» réagit-il vexé. « Je me disais que j'aurais pu comprendre ce que vous ressentez, mais après ce que vous m'avez dit, ce n'est pas le même rapport qu'entre moi et mon frère. Je vois deux possibilités. Soit vous ne voulez pas qu'elle affirme son indépendance par rapport à vous, parce que vous avez encore besoin de la prouver. »« Je ne suis pas du tout comme ça, je ne veux pas ça » dit-il aussi sec. « Soit vous vous en voulez de ne pas être suffisamment intéressant à ses yeux. » Rocan trouve moins à redire et baisse légèrement la tête. Je crois que j'ai touché dans le mille. Vous avez tous des capacités et des personnalités qui la captivent. Comment puis-je me faire remarquer dans tout ça alors que je n'ai aucun secret pour elle? Je suis sûre qu'elle vous remarquera si vous vous donnez à fond. Demain, par exemple. C'est à elle gentiment de me consoler. Le lendemain, le groupe atteint la dernière base. Tous sont mal à l'aise devant le spectacle de cette vallée de mort d'où se profile cette fumée peu rassurante. J'avoue que là, c'est l'endroit le moins accueillant qu'il m'ait été donné de voir. Comment Océane? Le cimetière. Écrit une fois de plus Samir en lisant la carte. Allons-y, jette Nova. Dans le repère morbide, toujours empreint de sa brume jaune qu'il protège, Viblem se tourne et pousse. Il montre d'évidents signes d'ennui en attendant, alternant entre jeux de tir sur cible avec son arme, fredonner allongé sur le sol, faire rebondir une balle sur le mur droit de la crypte. C'est durant cette activité que surgit alors le groupe de héros à l'horizon, la trace des corps de Prégol défendant les lieux derrière eux. « Ah, tout de même » soupire-t-il un peu blasé. Il se relève et vient les défier du regard à distance tout en leur adressant un sourire narquois. Enchaînant un petit geste provocateur sans rien dire, il ne tarde pas à enrager Angèle, qui avait déjà du mal à contenir sa haine rien qu'en le voyant. Elle agrippe son bâton prête à attaquer. « Un instant !» la stoppe Nova du bras. « Mais qu'attend-on pour l'affronter ?» s'impatiente-t-elle et impétueusement. Tu dois être la seule à ne pas te poser de questions sur la nature de la fumée en face de nous, la critique Lorniel un peu froid. Il arrive bien à la respirer, lui. Poursuit-elle après un moment de doute. Tiens, c'est vrai, remarque Stael. Il a peut-être avalé ou appliqué une substance qui lui permettrait de supporter l'air du coin. La reprend gentiment Océane. Oui, c'est possible, acquiesce Stael. Excusez-moi. Se réfrène enfin Angèle, frustrée. Zut! Ma belle stratégie semble être bien tombée à l'eau! Déclame Veblen, faussement dramatique, de là où il se trouve. En tout cas, je ne vois pas comment s'approcher de la pierre sans prendre le moindre risque avec cette fumée. Se préoccupe Semnia. Même si on arrivait à le battre à distance, on ne pourrait pas faire autant de chemin sans respirer, déplore Nova. En fait. Et est-il juste question de ça? Un simple contact avec la peau pourrait suffire à méchamment nous infecter. Rajoute Océane. Je crois que délicat, se met à réfléchir Lorniel. Je dois pouvoir créer un petit champ protecteur autour de chacun de nous pour éviter de la respirer et de la toucher. Finit enfin par s'affirmer Rocan. Tout le monde se tourne alors vers le guérisseur et sa solution providentielle, assez ébahi. Même Veblen est étonné 25 mètres plus loin dans son abri de fumée. Il peut faire ça? Réagit-il incrédule. C'est vrai, tu peux faire ça? C'est un Océane, un peu impressionné. Oui, oui, je peux. Ne crois pas que vous êtes les seuls à expérimenter vos pouvoirs. Quand Erin et moi vivions dans des taudis infects dans notre jeunesse, j'ai dû redoubler de créativité pour nous faire supporter la proximité des égouts, lance-t-il, moins hésitant qu'à l'instant. Et qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Rebondit Nova.
Oui, bien sûr, se reprend-il. Roken joua alors les mains en se concentrant plus fortement que d'habitude. Par un effort mental un peu épuisant, il génère une faible aura lumineuse à partir du sol qui enveloppe soudain les 8 corps. « Waouh !» se sidère-t-elle. « Si je ne suis pas assez concentré, ces enveloppes disparaîtront. Elles devraient nous protéger de la fumée, mais pas des attaques comme un vrai champ protecteur, » précise le guérisseur, haletant en déjoignant les mains. « Ce n'est pas si extraordinaire, alors ?» le taquine Océane, non sans afficher sa fierté. « Vous vous dépêchez de venir, parce que je commence sérieusement à m'ennuyer !» leur crie les Blaine, exaspéré par ces discussions. Tous se mettent ainsi en position d'attaque, prêts à en découdre, mais Angèle est la première à se précipiter sur cet adversaire. « Désolé, mais tu vas d'abord devoir t'occuper de mes autres camarades de jeu », réagit-il amusé face à sa colère. Une demi-douzaine des crosses surgissent alors de l'entrée de la crypte pour s'interposer. Ils se ruent sur Angèle, qui évite leur attaque ondulante d'un bond en arrière, mais elle n'a pas fait attention aux épines que les deux forainiers aux côtés de Beblen lui ont lancées. Heureusement, Nova stoppe ses épines d'un jet de flamme de sa lance avant qu'elle ne l'atteigne. Style se plante devant eux pour affronter les monstres qui s'avancent. Samia et Gaël vont les prendre à revers sur le côté. S'ensuit un combat entre les six écrosses et les cinq combattants, le chef étant occupé à garder à l'œil les attaques à distance de l'archer et ses deux monstres qui l'accompagnent. Tandis que l'épéiste et la manieuse de couteau occupent quatre de ces ombres horrifiantes de 2 mètres, laissant le couple de derniers aux enfants. Pendant ce temps, Roken observe le combat en pleine frontière du nuage de fumée, plus loin à l'esprit de ses enveloppes de protection. Il ne remarque pas un tunnelus s'approchant derrière lui par le sol. La créature surgit de sous terre pour l'embrocher de son bras aiguisé, mais est stoppée par un coup de bâton d'Océane en pleine nuque qui le fait vaciller. Le monstre commence alors à enchaîner les coups tranchants contre elle, qu'elle évite par réflexe quasi naturel, et dès qu'il se relâche, elle lui perfore le crâne d'une frappe bien sentie avec son sceptre. Roken reste surpris un instant de l'aisance qu'a eu sa filleule à gérer ce combat rapproché. Les cours de l'orniel font leur effet, souffle-t-elle. Océane, s'ébahit-il alors que les enveloppes commencent à faiblir. Concentre-toi, vite. Il se ressaisit et les remet à la normale suite aux remontrances de l'invocatrice. Ouf. C'est toi qui me protèges maintenant? Il faut bien que je te rende l'appareil. Une épine de forignon vole vers eux qu'elle intercepte de son bâton. Je ne vais pas pouvoir faire des invocations dans cet environnement. Et puis, il faut bien que quelqu'un te serve de garde du corps pour que tu maintiennes nos protections. En la voyant aussi focalisée et attentive, Roken a un sourire de satisfaction avant de se recentrer sur le combat. Combat qui progresse bien car les six écrosses plus loin sont finies d'être vaincues par les autres à ce moment-là. « Joli travail d'équipe !» applaudit Veblen, irrévérencieux. Il se fait surprendre par une salve de boules d'éclair lancée par l'orniel qui s'est positionnée dans un angle mort, qui l'évite de justesse, mais à laquelle les deux forignons ne survivent pas. Il se retrouve désormais seul face au groupe qui l'approche, menaçant. « Merci pour le compliment, » dit sèchement Nova. « Ce n'était pas un compliment. Ceux qui ne combattent jamais seuls et qui ont besoin de la force des autres sont des êtres faibles. J'ai toujours méprisé les frères Bled de se battre comme ils le faisaient. La façon dont vous vous êtes débarrassés de Henry et Pavel n'a fait que confirmer leur opinion à leur sujet. Tu n'es pas le mieux placé pour parler. Tu fais bien équipe avec des monstres pour nous affronter, » rétorque le sorcier. Eux, ce ne sont que de vulgaires outils créés par Baki pour nettoyer les plus faibles. Moi, je fais partie de ceux à qui il fait appel pour s'occuper des autres. Au bout du compte, tu obéis à ses ordres et tu te crois supérieur à un de ces pantins d'Ombredi. C'est assez pathétique, reprend l'orniel avec dédain. Veblen réagit violemment à cette insulte en tirant quelques flèches d'un trait vers les cinq en face de lui. Il recule pour les éviter, permettant à l'archer de se précipiter sur le sorcier qui s'est un peu isolé du reste du groupe. Ce dernier tente de l'intercepter avec des boules électriques, mais Veblen les contre avec des flèches qu'il enchaîne avec rapidité. Focalisé sur lui, l'orniel voit trop tard surgir un autre tunnelus en dessous de lui. Dans la précipitation, il se déplace de justesse, la peau légèrement entaillée par son bras, alors qu'il le tue d'un puissant fouet d'air, mais cela a détourné son attention du blond qui arrive en trombe en face de lui et le fait tomber par terre dans son élan. L'ascendant fortuit sur le sorcier qu'il domine au sol, il s'apprête alors à utiliser sa lame contre lui. « Je suis supérieur à n'importe lequel d'entre vous » hurle-t-il dans le feu de l'action énervé. Le jeune adolescent, dans sa chambre sobrement luxueuse, entendait et entrevoyait la conversation de deux adultes derrière sa porte entrouverte. Sa mère, en tenue élégante, écoutait avec mépris l'homme en habit plus décontracté qui se plaignait vivement. « Cela aura des répercussions, madame. Votre enfant ne peut pas blesser impunément mon fils sans se soucier des retombées. » « Ce n'est que la parole de deux amis miséreux contre celle de mon fils, » répondit-elle blasée d'un ton hautain. « Comment osez-vous ?»« Cela suffit.
Partez maintenant et estimez-vous heureux que j'ai daigné écouter un traîne patin de votre genre. Le coupa-t-elle dédaigneuse. Ça ne se passera pas comme ça. S'énerva-t-il de plus belle en claquant la porte, laissant la mère seule dans sa réflexion, toujours observée de l'autre côté par son fils. Véblen, interpella-t-elle alors. Il la rejoignit posément, ne se sentant pas une seconde alarmé par son ton. Solennel, le torse légèrement bombé, il s'arrêta à distance raisonnable. Oui, mère. Est-il vrai que tu as blessé un dénommé Drocas en te rendant à tes cours d'arc? Il m'avait manqué de respect. Se justifia-t-il très calme. C'est bien, mon fils, n'oublie pas, notre famille fait partie des plus grands de ce monde et ceux qui osent remettre ça en question méritent d'être remis à leur place. Ne laisse aucun de ces sous-êtres se considérer à la même hauteur que toi. Je n'accepterai aucunement cela, mère. L'orniel repousse les veines en provoquant un fort courant d'air avec ses mains. Semia se presse de lui envoyer quelques dagues bien senties dans le dos, qui esquive en s'éloignant du sorcier. Regagnant son calme, il se replie vers l'entrée de la crypte avant que Gaëla et Nova ne s'approchent trop. « Qui même me suive ? » déclame-t-il, reprenant son ton léger avant d'entrer. L'épéiste est la première à atteindre l'entrée étroite. Elle recule vite après avoir évité des tirs de flèches provenant de l'intérieur. « Ça ne va pas être simple d'entrer s'il nous cadavre de l'intérieur. » déplore Nova alors que tout le monde commence à se regrouper là. Roken observe alors la partie de la crypte visible de l'extérieur. Un début d'escalier descendant, il se met à cogiter très vite. « Une seconde, il n'y a pas de fumée dans cette crypte » remarque-t-il. « Oui, et alors ?» répond Océane. Quelques instants plus tard, Roken entre en trompe par les escaliers de la crypte, entouré d'un champ protecteur qui arrête les flèches de Véblen. L'orniel arrive derrière Roken et envoie des boules d'éclair vers l'ennemi qui recule, permettant au reste du groupe d'investir la grande pièce, vide au premier abord, en marbre gris, en toute sécurité. « Bien joué, le vieillard !» s'adresse l'archer à Roken, railleur, acculé contre un mur. « Je n'ai que 41 ans » réagit-il agacé, alors qu'à côté, Océane s'excite un peu. « Je vais enfin pouvoir attaquer de front. » Elle se met rapidement à l'autre bout de la salle, à bonne distance de Véblen, sans le quitter des yeux. Un ombre aiguille surgit soudain du mur et l'empêche de poursuivre son invocation en lui disputant son bâton. Leur face-à-face ne dure que quelques secondes, le temps que l'orniel le terrasse d'une boule d'éclair. Pendant ce temps, Nova, Semia, Gaëla et Angèle s'élancent en direction de Véblen. « 4 contre 1, quel courage » badine-t-il. « Tu vas payer pour mon père !» crie la fille blonde, presque enragée. « Une autre fois, si tu veux bien. » Il disparaît en brandissant son cristal noir avant qu'il ne l'atteigne. Ils retiennent leur coup et Angèle, dépitée, jette son bâton au sol. « Il y a comme un air de déjà-vu. » commande Semnia. « C'est tout. Quel lâche !» s'exclame Océane. « Cela m'a paru étonnamment simple, » réfléchit l'orniel. « Il ne reste qu'à trouver la pierre, » pose Nova. « Je sais qu'elle n'est pas loin, » informe le sorcier en se frottant les yeux. « Comme dans le château, il y a certainement un mécanisme pour la faire apparaître, » poursuit le chef. « Oui, mais lequel ?» se demande Stel, tout en marchant. Il pose alors le pied sur une dalle qui s'enfonce au sol. Une portion du mur commence à coulisser, tandis qu'une pierre du plafond tombe sur le garçon. Angèle lui évite de justesse de se la prendre, le plaquant à son tour. Ils se retrouvent de nouveau face à face, l'un sur l'autre. « Ça va devenir une habitude. » plaisante Angèle, rougissant légèrement. Le mur laisse place à un autre socle du même type que les autres, ornant cette fois une pierre d'un éclat bleu tel celui du saphir. Une bonne partie du groupe est assez blasée par cette situation familière. « Je crois que la théorie d'Océane, comme quoi Baki est juste un gamin qui s'amuse, commence à devenir de plus en plus envisageable. » marmonne Nova. « Cette fois, c'est mon tour. » s'avance la susnommée, excitée telle une petite fille. « À toi l'honneur !» dit Samia un peu déconcerté. Océane s'apprête à retirer la pierre, puis s'arrête dans son élan pensif. Considérée, elle décide de se tourner vers Roken. « En fait, je crois que je vais plutôt laisser ma place à l'homme du jour. »« Tu es sérieuse ? » réagit-il. « Tu mérites bien ça après tout ce que tu as fait aujourd'hui. Je ne vais pas priver le deuxième homme de ma vie de son heure de gloire. » sourit-elle en lui tapant sur l'épaule. Roken reste un instant surpris. Gaëla lui sourit discrètement en lui faisant un clin d'œil. Son visage s'irradie alors et il s'avance vers le socle pour en retirer la pierre qui se désagrège. « Viens, il est temps de vérifier si le repère de Baki va se dévoiler comme l'a dit Henry !» lance Nova en invitant d'un geste de la main le reste du groupe à sortir. Tous le suivent, rassurés de voir que la brune jaunâtre de l'endroit a disparu de l'extérieur. Océane, l'avant-dernière suivie de Roken, s'apprête à quitter la crypte quand son bâton lui glisse des mains. « Zut !»
Je te le récupère, se dévoue Rocal en faisant demi-tour. Veblen réapparaît dans la pièce sombre habituelle où patiente Plorias. Me revoilà. Tout s'est passé comme prévu. Il semblerait, répond-il évasif, un conseil évite une réponse de ce genre pour Baki. Baki n'a rien à me reprocher concernant le travail qu'il m'a demandé d'accomplir. Il devrait être reconnaissant, je ne lui dois rien, se défend Veblen en redevenant sérieux. L'archer blanc se faisait conduire à Baki, malmené par les frères Blade. Il observait les lieux sombres et imposants avec désinvolture, mais arrivé dans cette salle du trône, il fut surpris devant l'allure du prince qu'il devait rencontrer. Alors le grand seigneur Baki n'est qu'un enfant de 10 ans. Sourit-il, curieux. Êtes-vous sûr de vouloir parler à cet humain ? S'adresse Molina, stoïque, postée à la gauche du grand seigneur. C'est le premier à avoir réussi à pénétrer dans mon antre. Ça vaut bien quelques minutes de mon temps. Répondit-il, reflétant au visiteur le même sourire narquois. Lorsqu'on voit vos hommes disparaître après avoir brandi un cristal, il est assez simple de deviner vers où ils vont. Il m'a suffi de m'agripper au plus facile à berner. Précisa Veblen, pointant du regard Ryu, qui ne manqua pas de se vexer. Au moins, il est perspicace. Railla Henry pour énerver son petit frère. Pas la peine d'en rajouter, Henry. Réprimanda Pavel. Puis-je savoir ce que tu me veux au point d'oser t'aventurer ici tout seul ? Interrogea Baki, piqué d'intérêt. Je suis venu pour vous proposer mes services. Lâcha-t-il, non sans entraîner l'étonnement de tout l'auditoire. Chacun restait un peu coi de cette déclaration. Même Lek, assis seul dans un coin de la pièce, se tourna vers ce nouveau venu, intrigué par sa démarche. Veblen l'aperçut alors, également intrigué, mais de voir un autre être humain normal comme lui ici. Tu veux m'aider à exterminer et dominer ton peuple ? Finit par réagir Baki. Les gens ne me montrent pas le respect qu'une personne de mon rang mérite. Il n'y a que par la violence et la peur qu'ils pourront se rendre tous compte de mon importance. Et vous êtes le pilier idéal pour me le permettre. Intéressant. Et qu'est-ce qui te fait croire que ta présence au sein de mon armée puisse me sembler nécessaire ? Éperdue à être très vaste, un combattant supplémentaire vous serait sans nul doute utile pour la ratisser. Je pensais aussi vous apporter une expertise de la race que vous affrontez, que vous ne connaîtriez peut-être pas en détail, même si vous avez déjà quelqu'un d'autre pour ça. Il défie vite son regard ennuyé vers Lek pour garder les yeux fixés sur son interlocuteur. Cela dit, je connais de nombreuses façons de découvrir les points faibles de mes adversaires, qui, je suis sûr, vous satisferont beaucoup. Poursuivit Veblen, ouvertement sournois. Lui et Baki se fixèrent un moment. Le prince, assez impressionné de voir cet homme le regarder en guise d'égal, en dépit de sa situation, finit par sourire face à ce cran. Lek ? Oui, maître. Félicitations, tu vas avoir un des tiens pour nous tenir compagnie désormais. Annonça-t-il, satisfait, sans quitter Veblen du regard. Ils ont de la chance de détruire la dernière pièce dans le cimetière, poursuit l'archer. Pourquoi ? Demande Plorias. C'est le meilleur endroit pour admirer le spectacle, saurait-il. Rocan est le dernier à sortir de la crypte avec un petit décalage. Dans leur chance, la destruction de la pierre précieuse a fait disparaître l'atmosphère de mort. Désolé d'avoir mis un peu de temps, le bâton s'était faufilé en dessous des marches, s'excuse-t-il. Aucun ne lui répond, tous bouche bée, les yeux rivés vers la même direction. Le guérisseur tourne alors le regard et voit à son tour un immense château émergé du cratère au centre du continent. Se dévoilant lentement, il impose son impressionnante stature au point d'être notable de toutes parts d'Eperdia. Chaque ville et village de chaque région est époustouflé devant cette apparition d'ombre et mort de ses fenêtres. 1 kilomètre de hauteur et le triple en longueur. Face à ceci, le château que le groupe a traversé à ses plocas paraît minuscule, alors qu'il reste pantois devant cet édifice où le grand affrontement les attend. À l'intérieur, sur son trône, Baki ressent les secousses de l'immersion. Molina, à côté, note ce développement sur son parchemin, la frustration toujours présente. Votre repère est dévoilé au grand jour, constate-t-elle. Je ne m'attendais pas à ce que ça se produise si vite. Ce groupe est plutôt impressionnant. J'ai bien envie de les saluer, sourit le prince.